Y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment est-ce que j'ai pu pouvoir faire un tel beat que beaucoup de gens ont apprécié. Je parle bien du son de Ibawan ni Young Barigasson, donc Biting Jara trop. Donc, vu que j'ai pas de caméra professionnelle avec moi, mais c'est là, tu vois, c'est ça. Donc, c'est le projet que j'ai sous mes yeux comme ça. Bon, fin, tchamambe, mais voilà. C'est là qu'il y a une manière, Nina, pour qu'elle reste à mener nos jeux, quoi. Peut-être ça va pas être les mêmes sonorités que dans le son original. Parce que plugin, non, le thème, le blé, quoi. Bon, les gens qui sont dans le domaine, on fond et ils vont comprendre. Voilà, donc ça, c'est un premier pas que j'ai joué. Après ça, il y a ça. Ça, y a ça. Après ça, y a ça. Après ça, y a ça. Bon, ça, je sais pas comme pourquoi ça joue pas. Ça va peut-être se muter. Non, c'est moi qui l'ai muté. Voilà, ça, c'est le kick. Ça, c'est le shaker. Voilà. Ça, c'est un snare. Ça, c'est pour renforcer le pad que j'avais joué. Après, il y a ça. Ça, c'est un autre shaker. Ça, c'est sous forme de loops. Ok, ça c'est la trompette. Après, il y a un petit crash là. Ça, le quick clap. Après ça, il y a ça aussi. Après, il y a le string. Ok. Après, il y a une guitare que j'ai jouée. Après, il y a Balani, Marimba. Ah, c'est la basse. Ok. Ok. C'est une brasse trompette. Ok. Ok. Voilà. Ok. Ça, c'est un break. Ça, c'est ma signature. Bon. En tout, à Beben le dit.
Pour ceux qui n'ont pas écouté le son, je vous fais écouter le son. Je pense que c'est Ibawan. Ok, voilà, ça c'est le son. C'est un peu ça.